terre brûlée au vent. Dans un lac du Connemara. Je t'ai dit, c'est dit, je suis catholique, Maureen aussi. L'église en granit de Limerick, Maureen et Louis. De Tipperary, Barry Connolly et le Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Et avec les Connors, les O'Connolly, les Flaherty, les Ring of Kerry et le Croix-Bois, trois jours et deux nuits. Là-bas, on sait tout le prix du silence. Là-bas, au Connemara, on dit que la vie, c'est une folie. Mais que la folie, ça se danse. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants, un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord, colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. On y vit encore au temps des Gaëls et de Cromwell, au rythme des pluies, du soleil, au pas de chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager, certains soirs d'été replongés pour l'éternité. On y voit aussi des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur à goût de veilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix de la guerre. Là-bas, au Connemara, on n'accepte pas la paix du Gallois, ni celle des rois d'Angleterre.